Je sais que vous les adorez, barif, barif. Voici 4 expressions libanaises très utilisées au Liban, mais tellement cocasses quand on essaye de les traduire en français. Lek, fille échoud hal-anit al-asir min al-barad, an jad ana ktir atchan. Eh, akid habib, tfaddal. Yish bitchahe hal-manouche, amol maroufie échoud chafé ana ktir jouan, an jad. D'abord, okela kella, sahtain. Lek, ana an jad ktir taabin. في نام بفرشتك بالاوضه لان عن جد كنبات الصالون ما بتريح ابدا. يعني قلت لك تجي لعندي تقضي كم نهار لحديت ما تخلص الورشه عندك. اكلت البيضه وتقشيره، اخذت وجه وكترت. العمى بقلبي شو اني حمار. 3 expressions ici sur lesquelles je souhaite vous attirer l'attention. اخذت وجه ou bien اخذت وجه وكترت qui veut dire littéralement tu as pris un visage et tu as trop augmenté en quantité ou kattaret. Ça peut paraître extrêmement bizarre en français, mais ce qu'on entend par là, ce n'est pas tellement la notion de visage, mais on entend par là la notion d'aise. Tu as pris tes aises et tu les as un peu trop prises, c'est ça ce qu'on cherche à dire à l'autre. Pareil, akalt al-bayda ou ta'shira, je pense que celle-là, elle se complète très bien toute seule. Tu as mangé l'œuf et sa coque, en quelque sorte. Donc, tu as tout mangé, tu n'as rien laissé. Et à la fin, vous m'avez entendu dire « la'ama bi'elbe ». On peut même le dire à quelqu'un « la'ama bi'elbak ». « La'ama », c'est l'aveuglement. « Elbak »,« elbe », c'est ton cœur, mon cœur. Donc, comme moi, en quelque sorte, je m'en veux tellement que je m'insulte en quelque sorte, ou presque. Je dis « la'ama bi'elbe », ça veut dire vraiment, j'avais l'aveuglement dans le cœur, j'ai été vraiment bête de te proposer de venir chez moi dans le contexte du petit sketch. Wallah, صدقني كنت قاعد مرتاح بالصالون وما بشوفه الا طالع من الحمام مزلط وعم بيتنشف بمن شفته. لك شو عم تحكي انت؟ كان في عندي عقل وطار خلاص. كان في عندي عقل وطار. Elle est tellement géniale cette expression, très imagée, et je vous invite fortement à l'utiliser. Il faut comprendre que la notion de عقل, c'est l'intellect. On peut parfois traiter quelqu'un de balara'el, ça veut dire sans intellect, sans tête quoi, sans cerveau. Kain fi ande a'el, ça veut dire, alors littéralement c'est j'avais un intellect, mais ce qu'on cherche à dire par là c'est que j'avais ma raison pleine, hein, j'avais ma raison. Ou tar, donc l'a'el tar ça veut dire il s'est envolé, en gros en français ça donnerait j'avais pleine possession de ma tête et j'ai tout perdu quoi, j'ai perdu la raison. Kain fi ande a'el ou tar, pour marquer son grand étonnement, son choc. Utilisez-la, c'est une belle expression. Tekra ma'aynak. Tekra ma'aynak, c'est l'équivalent en français de tout ce que tu veux ou presque tes désirs sont désordre. Papa, chou habibé, petit blarement le marouf, habit de chocolat. ولك تكرم عينك تكرم عينك هلا بجيب لك هلا. Alors en français, تكرم عينك se décompose en 2 mots. تكرم vient du mot, peut faire référence au mot karam qui veut dire générosité et également au mot karame qui veut dire la dignité. Et عينك ça veut dire tout simplement ton œil, c'est le possessif de haine, ton œil. Alors vous verrez au fur et à mesure de cette vidéo que la notion d'œil est extrêmement importante chez les Libanais et donc là en l'occurrence ça pourrait se traduire à pour la générosité de ton œil ou pour la dignité de ton œil. Tu peux me faire une manouche s'il te plaît? Pour la dignité de ton œil. Yo, félicitations, je peux aller voir le bébé, j'ai trop hâte. Alors, s'il fallait le traduire en français, veut dire en quelque sorte enterre-moi. En gros, tu es tellement mignon, tellement craquant que je t'exprime un amour débordant et enterre-moi en fait. Donc voilà ce que ça donnerait en français. Oh toi t'es trop mignon, enterre-moi, enterre-moi. Non mais il est complètement malade ce type. حبيبي فيك تجيب لي بليز كباية مي؟ ولك أكيد عراسي عراسي أكيد ما بتنزعج؟ خلص خلص عراسي هلا هلا. Alors littéralement عراسي veut dire sur ma tête. Donc si on le passait effectivement en français, on n'aurait pas tout à fait le même résultat. Marc, tu peux me chercher un verre d'eau s'il te plaît? Luc, sur ma tête, sur ma tête. Comment ça sur ta tête? Tu vas le casser? Alors, la nouvelle expression que je souhaite partager avec vous, c'est « il et le dame ». Alors, « il et le dame », c'est quand on veut évoquer quelqu'un d'extrêmement lourd, antipathique, pénible, on dit il الدم. ديك سمعة الخبرية في اثنين عم يتمشوا على البحر، ديك سمعة عم يتمشوا على البحر، بحزار شو صار؟ قطعت فوقهم حمامة وشخت عليهم. يا عليك شو تقيل الدم، بقولك شو تقيل الدم؟ تقيل الدم littéralement veut dire que tu as le sang lourd. Donc je trouve que c'est une très belle image justement. Alors c'est vrai que en français on peut dire de quelqu'un juste qu'il est lourd. Voilà, on va dire que c'est ça, qu'il est pénible, qu'il est antipathique, donc il a le sang lourd ou elle a le sang lourd, c'est exactement la même chose. Passons maintenant à quelque chose d'un peu plus positif. Je pense que vous avez tous entendu parler de ahlan wa sahlan ou de manière plus contractée ahla ou sahla. Alors, c'est tout simplement l'expression qui exprime parfaitement bien l'hospitalité à la libanaise. Et lorsque vous accueillez quelqu'un chez vous, vous lui dites أهلا وسهلا. ولك كيفكن يا حلوين؟ كنا بالحي إن بركي بنجي بنعملكن زيارة. أهلا وسهلا ولك أهلا وسهلا. Alors, l'explication est très intéressante de أهلا وسهلا. En fait, أهلا, ça veut dire de la famille qui vient de أهل. Ou sahlan, sahel, ça fait référence en fait à la plaine, à ce qui est facile. Alors il faut vraiment remonter dans le temps pour comprendre de quoi il s'agit. En fait, la plaine se différencie du désert. La plaine, c'est la facilité et le désert, c'est les dangers, c'est la difficulté. Donc quand on dit ahlan wa sahlan, en gros, on exprime à l'autre qu'il fait partie de la famille et on lui facilite son accueil. Alors évidemment en français, salut, on passait par là, alors on s'est dit on va venir vous faire une petite visite. Au lieu que de la famille et dans la facilité, entrez. Finalement, on a un rendez-vous. Allez, salut. Une expression que j'adore parce qu'elle est tellement imagée que ça me fait mourir de rire, c'est ta'hanak. Awal wahad ta'hanako. En fait, quand on parle de ta'hanak, ça veut dire qu'il y a deux personnes ou plusieurs personnes qui discutent ensemble. Ce sont des conversations futiles. On peut même pousser jusqu'à la perte de temps. C'est presque l'équivalent du bavardage inutile et de la perte de temps. Donc on dit ambito ohanak qui veut dire littéralement il se brise la mâchoire à force de raconter des choses inutiles et futiles. Sartène à elvak. Alors, sartène tout seul, c'est à peu près l'équivalent de bon appétit. Quand on rajoute à elbak, on accentue encore cette formule. Alors, c'est l'équivalent de bon appétit, mais en même temps, on peut la dire pendant ou après la consommation d'un repas pour souhaiter à l'autre le contentement et la satisfaction d'avoir bien mangé. يا تيتا شو كان طيب هالصحن الورق عريش ملفوف من اطيب اكل اكلته بحياتي ولك تقابلنا انت الصحتين صحتين صحتين على قلبك. Alors en français ça n'aurait pas beaucoup de sens si effectivement on le traduisait littéralement puisque صحة c'est la santé. Sartène, c'est deux fois la santé. Donc quand on dit à quelqu'un bon appétit, c'est comme si on lui disait directement en libanais je te souhaite deux fois la santé. Et à elbak veut dire sur ton cœur. Mamie, il était trop bon ce plat, je me suis régalé. La santé deux fois sur ton cœur. Bon, elle va plus très bien, mamie, là. Hein. Il y a ces très belles habitudes que j'aime beaucoup chez les Libanais. Vous allez peut-être d'ailleurs vous reconnaître dans certaines d'entre elles, qui ont marqué mon enfance et qui continuent encore à me faire plaisir et à pincer mon côté nostalgique quand j'y repense. Je vais essayer de vous en dépeindre quelques-unes aujourd'hui, surtout celles que j'apprécie le plus. L'un des premiers éléments qui caractérise une grande partie des Libanais, c'est que nous sommes très curieux. Nous adorons engager la conversation avec des gens qu'on connaît ou pas, et alors commence un véritable questionnement. Bonjour Ak, Kifak, Ana Mnih, كيف الصحة؟ الحمد لله. كيف العائلة؟ نشكر الله. كيف الشغل؟ كتر خير كيف الله. كيف الماما؟ نشكر الله. كيف الأولاد؟ كتر خير الله. كيف التأس؟ منيح. الحمد لله. Et oui, c'est vrai que des fois ça tourne véritablement à l'interrogatoire, mais c'est bien ça qui fait son charme. Un autre élément qui me fait beaucoup rire, c'est quand le Libanais sort sur son balcon pour prendre un café ou pour prendre l'air tout simplement, il y a 90% de chances qu'il connaisse la plupart des gens qui passent en bas de chez lui. مرحبا يا جرجي اهلا وسهلا ببييرو ولك كيفك يا ابو الزوز وين هالغيبه يا حبيبي طلع ميل لك تفضل على القهوه. Et d'ailleurs, même quand deux Libanais se rencontrent pour la première fois, il y a de fortes chances que très rapidement au courant de la conversation, ils se rendent compte qu'en fait, ils se connaissent. Bonjour, Anna Marc, Anna Jauza la Marie. Marie, يعني فئتها لمايا. إيه مايا يعني أختها لجمانة. ولك إيه يا حبيبي. أوه بقى أنا خيا لميرنا جارتها لجمانة. ولك نحن من العائلة. أوه ولك كيفك. Et alors les amis, le top du top, c'est quand vous êtes embêté en ville au Liban, que vous ne trouvez pas de place pour se garer, que vous repérez une place mais que vous vous dites « Allez, s'il y a une majorette qui arrive à rentrer là-dedans, c'est qu'elle est forte. » Et tout à coup, il y a le monsieur d'un certain âge qui apparaît, on ne sait pas d'où, et qui est là pour vous guider pendant votre manœuvre. لف شوي على الشمال بعد شوي شوي رجع 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 بس خلص حبيبي بس ليك هيدا قد الجحش ما بيعرف يصف. Une autre chose qui me fait énormément rire aussi, c'est que quand vous êtes rassemblés dans un repas avec de la famille, des proches, l'enchaînement discontinu de souhaits qui va saupoudrer l'ensemble du repas. Eh كيسك حبيبي eh كيسك كيسك كيس هالجمعة الحلوة eh كيس الغيبين eh والأيل يا رب. Et laissez-moi manger! Une anecdote pour la fin. Je vous raconte un véritable souvenir d'été. Je venais tout juste de me marier avec Marie. J'étais dans son quartier et elle m'avait raconté par le passé qu'il y avait un vendeur de mneish qui avait bercé toute son enfance. Alors moi qui passais par là pour lui rendre visite, je vois le vendeur de mneish, je me suis dit, je vais rentrer. Je vais lui faire la surprise. Marhaba kifak. Ahlan habibi. Ana Jauza la Marie. Oh, ولك كيفك. كيف مرتك الحلوة بعد زمان ما شفناها. تفضل تفضل أنت من العائلة. شو بتريد حبيبي؟ قل لي شو بتريد. Et là, pendant le chemin de retour, très fier de moi avec mes sacs de mneish, voilà que je tombe sur Marie. Oh, habibi. ليكي شو جبت لك. منيش. يا من وين شتريتهم؟ بك هيدا المحل يلي كنت تروحي عليه أنت وصغيرة. اي محل هيدا يلي هون حياتي دعسه عنده. Ahla ou sahla à tous les nouveaux abonnés. Vous avez cliqué sur le bouton d'abonnement et c'est vraiment le meilleur soutien que vous pouvez nous faire. Merci beaucoup. A 2 Pas du Liban, c'est une école de libanais en ligne depuis 2018. J'ai le plaisir de vous transmettre le libanais parlé. Alors n'hésitez pas à me rejoindre dans un cours d'essai. Vous avez toutes les informations à côté de moi. Vous pouvez aller sur notre site a2pasduliban.com ou m'écrire directement sur a2pasduliban@gmail.com.